Amen. Amen. Lévitique chapitre 9. Voilà où il serait qu'il ça. Lévitique chapitre 9 à partir du premier verset. Voilà où il dit ça, quand il y a le huitième jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les responsables d'Israël. Et dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice pour le péché, un bélier pour l'holocauste, tous deux sans défaut. Tu les offriras devant l'Éternel, puis tu diras aux Israélites, prenez un bouc destiné au sacrifice pour le péché, un veau, un agneau sans défaut, dans sa première année, pour l'holocauste, un taureau, un bélier, qui seront immolés devant l'Éternel en sacrifice de communion, accompagnés d'offrandes de farine pétrie à l'huile. Car aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. Ils amenèrent devant la tente de la rencontre tout ce que Moïse avait demandé. Toute la communauté s'approcha et se tint debout devant l'Éternel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel vous ordonne, faites-le et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Le verset 23, Moïse et Aaron, après toute la cérémonie, ils entrèrent dans la tente de la rencontre. Après tout ce sacrifice de péché, comme nous avons dit, ils sont entrés dans les lieux très saints où Dieu avait sa demeure. La Bible dit, puis il sortit, il bénit le peuple. Alors, la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Une flamme jaillit devant l'Éternel et consuma l'holocauste et les graisses sous l'autel. À cette vue, tout le peuple poussa des cris de joie et se jeta face contre elle. Quelqu'un dit amen. Nous sommes dans 2 Chroniques. De Chroniques chapitre 7, à partir du premier verset, lorsque Salomon eut terminé sa prière, le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste, ainsi que les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient pas pénétrer dans le temple de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel avait rempli l'édifice. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sous le temple. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sous le dallage du parvis, se prosternèrent et se mirent à l'Éternel en disant, oui, il est bon. Oui, son amour est éternel. Hébreux chapitre 12, 18 à 24. La Bible dit, quand vous ne vous êtes pas approchés, comme les Israélites au désert, d'une réalité que l'on pouvait toucher, un feu ardent, l'obscurité des ténèbres, un ouragan, vous n'avez pas entendu de sonnerie des trompettes, ni d'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendu ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'était écrié, je suis épouvanté et tout troublant. Non, vous, au contraire, vous ne vous êtes pas approché de la montagne de Sion, de la cité de David, du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, du millier d'anges en fait. Vous vous êtes approché de l'assemblée des premiers-nés des dieux, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approché des dieux, les juges de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approché de Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance, de son sang répandu,
qui parle mieux encore ou qui crie encore plus fort que celui d'Abel. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ce soir, parlant de la manifestation de la gloire de Dieu, il y a des choses que nous devons faire pour déclencher cette manifestation. Je reprends. Ce soir, la pensée maîtresse, je suis appelé à déclencher la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Dans ta marche chrétienne, ne l'oublie jamais que tu as la responsabilité. J'ai la responsabilité devant une situation, devant un fait, de déclencher la manifestation. Alors que dans le monde spirituel, les choses sont déjà signées. Mais il y a des choses que sur la terre, si je ne le fais pas, l'invisible ne va pas devenir visible. Quelqu'un dit Amen. Alors que nous avons vu hier, ils ont terminé le temple. Ils ont terminé la construction du temple. Et quand le modèle était parfait, selon Dieu, la Bible dit la gloire est descendue. Nous avons parlé du modèle parfait. Mais nous disons ceci, la manifestation de la gloire de Dieu doit être un signe. Un signe de l'approbation de l'autel de sacrifice. Ce soir, nous faisons un pas. La manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, dans ma vie, est aussi un signe de l'approbation de l'autel de sacrifice. Quand Dieu agrée l'autel, quand il agrée le sacrifice, le seul langage qu'il a, il approuve. Et quand il approuve, il manifeste sa gloire. Quand il approuve, il manifeste sa gloire. Et nous avons lu dans Lévitique, alors que c'était le premier culte, après avoir fait tout ce qu'ils ont fait dans le parvis, tout le sacrifice de péché, parce qu'il fallait être en ordre avec Dieu avant d'entrer dans le lieu très saint. Comme nous avons dit hier, le tabernacle était construit tenant compte du degré de sainteté. Dieu résidait dans le lieu très saint, là où le souverain sacrificateur devait aller à sa rencontre. Mais au préalable, il y a des choses qui devaient être faites. Il y a des sacrifices qui devaient être faits. Et la Bible dit, Moïse et Aaron, quand ils sont entrés dans la tente de la rencontre, et quand ils sont sortis, ils ont béni le peuple. En d'autres termes, ils étaient sûrs de l'approbation de Dieu par rapport au sacrifice. Vous savez, la Bible dit, j'ouvre une parenthèse, ils bénirent le peuple. Vous savez, j'ai compris une chose. Et par la grâce de Dieu, dans l'église où j'évolue, ce qui fait la force de cette église-là, le peuple a compris. L'un des secrets, il faut savoir arracher la bénédiction de l'ange de l'Éternel. J'ouvre une parenthèse. Et ce sont des choses que nous faisons. Dernièrement, nous avons acheté une concession. Et tout autour, ça a pris plus de 4 millions de dollars. Ce n'est pas des dons qui sont venus de l'extérieur. Ce n'est pas des dons qui sont venus de l'extérieur. Les gens ont semé. Les gens ont fait des sacrifices. Et nous avons compris qu'il y a des bénédictions. Ça se déclenche. Je répète, il y a des bénédictions. Ça se déclenche.
ça se déclenche. Mon frère, il y a certaines choses. Si tu veux les voir, il faut les déclencher. Ça ne peut pas venir comme ça. Parce que je m'appelle Costa. Alors ils viennent. Non, il y a certaines choses et nous avons vu Dieu bénir des gens, vous n'avez pas idée. Des gens, vous savez, il y a des environnements et quand quelqu'un sème, donc c'est un sacrifice énorme. Des gens qui se sont endettés. Des gens qui ont pris de leurs réserves. Des gens qui ont secoué leurs réserves. Des gens qui ont annulé des programmes. Qui ont sémé. Mais quand vous voyez que Dieu est en train de faire de cette église des millionnaires, ce n'est pas parce que les gens ont parlé en langue. Non, ce n'est pas parce que les gens ont parlé en langue. Ce n'est pas parce que les gens ont prié. Il y a des choses, mon frère. Ça prend un autel de sacrifice pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je te dis la vérité. Et vous connaissez la différence entre une offrande et un sacrifice. L'offrande, c'est toi. Le sacrifice, c'est Dieu. L'offrande, c'est toi-même. Et nous avons vu des gens être bénis. Bien aimé, vous savez, il n'y a pas pire chose que ça dérange que de donner. Mais je vous dis, c'est une puissance dans le monde spirituel qui déclenche des choses qui naturellement ne pouvaient pas se déclencher. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, détruit. Mais dans le principe spirituel, quand vous détruisez un hôtel, il faut le remplacer par un autre hôtel. Vous ne pouvez pas détruire un hôtel dans le monde spirituel sans le remplacer par un autre hôtel. Parce que dans le monde des esprits, ce sont les hôtels qui parlent. Mon frère, tu peux être là en train de dormir. Un hôtel parle en ta faveur. Tu peux être en train de dormir. Tu es malade. Tu n'as plus la force de prier. Mais un hôtel crie pour toi. Tu peux être fatigué. Tu n'as pas envie de dormir, de prier. Peut-être que tu es sorti, tu n'as pas prié. Mais un hôtel en train de crier pour toi. Parce que dans le principe spirituel, Dieu savait que renverser un hôtel, oui, c'était important. Mais parce que la victoire est d'abord spirituelle, il fallait bâtir un autre hôtel qui criera victoire pour que dans le matériel, ce qui est vrai dans le spirituel le soit dans le matériel. L'autel de sacrifice est un point de contact. Et les gens ont compris. Regardez Salomon, il termine, il offre des sacrifices. Il n'a pas simplement prié. Mais la Bible dit ceci: la gloire de l'Éternel s'est manifestée. Dieu est présent. La Bible dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là. Dès le moment où tu as accepté Jésus, il est en toi, il vit en toi. Il y a des promesses que Dieu t'a faites qui s'accompliront peut-être sans ta prière, mais il y a des choses pour que ça s'accomplisse. Ça prend que dans le naturel, je crée un point de contact pour que le spirituel se manifeste. Comment pouvez-vous expliquer? Pendant 7 ans, les Madianites avaient les déçus sur Israël. Un hôtel. Un hôtel. Juste un hôtel. Pendant 7 ans. Un hôtel. À combien plus forte raison? C'est vrai. Nikweli. Aujourd'hui, Léo, nous avons la grâce tunanema de l'hôtel par excellence. Ya mazabao bora kuliko yote. L'œuvre de la croix.
kazi ya msalaba, qui nous a racheté de la malédiction de la loi. Il tukomboa toka ile laana ya sheria. Et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Wafalme na wakuani. Mais dans le monde spirituel, lakini mulimwengu ya kiroho, ça fonctionne avec des principes. Inatumikaka na makanuni. Le monde spirituel ulimwengu ya kiroho ne fonctionne pas avec des opinions. Aitumike na mawazo yako. Le monde spirituel ne fonctionne pas avec des opinions. Ulimwengu ya kiroho itumike na mawazo. Ça ne fonctionne pas avec des avis. Aitumike na vyenye wewe unasema. Ça ne fonctionne pas avec des sentiments. Aitumike na mania vya kushikia. Ça ne fonctionne pas avec des ma façon de voir. Aitumike na namna mimi kunaona bintu. Garde ta façon de voir. Woku na namna mimi. Mais le monde spirituel a des principes. Na ulimwengu ya kiroho kuna makanuni. Et si tu veux, na kama unapenda, vivre certaines choses. Kuishi vitu vingine. Aligne-toi. Wewe ingia mumsululu. Quelqu'un dit amen. Amen. Bien-aimé, je le crois. Amine, wapendo. Que Dieu est sur le point de manifester quelque chose de puissant dans ta vie. Yakomba Mungu je le crois. Non, c'est pas de l'hypnose, hein? Parce que les gens disent qu'à l'église là-bas on va vous larguer des paroles, vous dites amen. Vous savez, des fois quand nous sommes à l'église, généralement on oublie nos problèmes. Des fois vous oubliez que vous n'avez pas mangé depuis le matin. Et des fois vous oubliez qu'il n'y a pas à manger. Tellement que nous sommes dans la gloire là. Alors quand on dit amen, maintenant tu te rappelles, dit, il n'y a pas à manger là. Quelqu'un dit amen. La parole de Dieu, elle est vraie. Elle s'applique même en dehors des quatre murs ici. C'est à toi de croire. À toi de croire. Mais Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, tu dois déclencher ce qu'il veut faire maintenant. Dieu est sur le point de faire quelque chose de puissant dans ta vie. Alors que nous voulons parler de comment manifester la gloire de Dieu. Mais Dieu me dit, je suis prêt, je suis sur le point. Mais bien aimé, il y a des choses qui ont tellement crié contre toi. La Bible dit, Moïse et Aaron entraient dans le temple. Ils sortirent et bénirent le peuple. Alors la gloire de l'Éternel remplit le temple. La gloire de l'Éternel. Pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Parce que ça prend un déclencheur. Ça prend quelque chose qui va le déclencher. Et à chaque étape de la vie, alors que Abraham avançait avec Dieu, alors que Abraham avançait et Dieu renouvelait ses promesses, à chaque étape il bâtissait un hôtel à Dieu. Mais le temps était venu où la promesse devait s'accomplir. Dieu ne l'a pas avisé. Dieu ne l'a pas averti. Il voit trois personnes qui arrivent. Mais comme il avait la sensibilité de l'esprit, comme il comprenait le langage de Dieu, il dit, vous n'allez pas partir. C'est la chose qu'il fallait. Ils ont terminé de manger. Il dit, où est ta femme? Dites-moi, quel est le lien entre Isaac et manger? Est-ce qu'il y a un lien entre Isaac et manger? Non, c'est le principe spirituel. L'autel déclenche. La chose, elle est là. La promesse est sur le point d'être enfantée. Et ça prend des choses qui les déclenchent. C'est comme une femme qui est sur le point d'enfantement. Si ça traîne, il y a des déclencheurs. Il y a des choses qui provoquent. On va provoquer l'accouchement. Cet enfant doit sortir. Des fois dans la vie, il faut savoir provoquer. Provoque. J'ai prié, ça ne marche pas. J'ai donné l'offrande, ça ne marche pas. Non, ça prend une provocation. Je vais provoquer. Madame, on va provoquer. L'enfant doit sortir. On va forcer. Il y a des choses, il faut pousser. Il faut pousser fort. Ma frère, ne lâche pas. Tu es sur le point d'entrer dans l'héritage. Tu es sur le point. Et Dieu m'a dit, il est sur le point. Mais ça prend. Dans l'hôtel. Tu me dis encore. Moi je ne sais pas. Je ne connais pas ton parcours avec Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne connais pas le secret avec Dieu. Mais rassure-toi. Si aujourd'hui tu vis
Vous savez, tu dois être sûr d'une chose. Il y a dans le monde spirituel des choses qui ont crié pour toi que tu ne savais pas. Il y a des choses qui ont crié pour toi que tu ne savais pas. Et tu ne peux pas t'imaginer comment dans le monde spirituel les choses crient. Vous savez, le pasteur Fofi, vous savez, dans la vie, tu ne peux pas t'imaginer le problème qui s'en vient. Dans la vie, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu ne sais pas le défi qui t'attend demain. Dieu peut te demander quelque chose alors qu'il n'y a rien dans le naturel qui te motive. Je reprends. Dieu peut te demander une chose alors que dans les naturels tu ne vois pas l'importance de ça. Mais Dieu sait que le défi qui vient dans 5 ans a besoin de quelque chose qui va commencer à parler aujourd'hui. Tu ne sais pas. Dieu sait. Tu arriveras à un certain niveau de ta vie. Ta prière ne suffira pas. Vous savez, il y a des gens qui ont... Vous savez, des fois, il y a certaines choses que nous subissons parce que nous n'avons pas préparé les choses. Le monde spirituel, c'est un monde de balance. C'est un monde de balance. C'est ce qui pèse qui parle le plus. C'est ce qui pèse qui parle le plus. Qu'on ne vous trompe pas. C'est ce qui pèse qui parle le plus. C'est ce qui pèse qui parle le plus. Et tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ce qui t'attend demain. Tu ne sais pas. Vous savez, des fois, il y a. Vous savez. Et je le crois. Je le crois que Dieu veut amener cette église à un autre niveau de gloire. Je le crois que Dieu veut amener ta vie, ta maison à un autre niveau. Il y a des choses que nous avons vécues, il y a des choses que Dieu a fait. Oui, gloire à Dieu. Il y a des choses que toi et moi n'a pas encore vécues. Il y a des choses que toi et moi n'a pas encore expérimentées. Alors que Abraham pensait que Ismaël suffisait. Mais alors qu'il y avait plus qu'Ismaël. Alors qu'il y avait plus qu'Isaac. Mais ça prenait un déclencheur. Ça prenait un déclencheur. Et mon pasteur, il ne pouvait pas s'imaginer qu'à cause de la COVID. Et vous savez, tout le monde était tombé malade. Elle aussi, elle a eu la COVID. Mais ça s'est compliqué. Dans un laps de temps, elle se retrouve à l'hôpital. Elle va à l'hôpital comme tout le monde. Et on l'appelle le pasteur. On dit, dans 2 heures, ta femme va mourir. Juste la COVID, elle est dans le coma. Dans 2 heures. Ta femme va mourir. Oui, c'est vrai, les gens ont prié. Pendant 2 mois, les gens ont prié. Mais écoutez, il n'y a pas de gens. Je n'ai jamais vu. Il y a des gens qui ont appris à payer le prix pour Dieu. Mon frère, un jour lui-même, il témoigne. Dieu lui dit, donne-moi la dîme de 1 million. La dîme de 1 million, c'est combien? Il n'avait pas 100 000. Dieu, comme ça, Dieu donne-moi la dîme de 1 million. On est pas tiré chez combien millions imodja, y a dollar. Il s'est battu. Ali Kombana. Il a donné la dîme. Ali Peleka chez combien? 100 000 dollars. 100 000 dollars. Bien aimé, vous savez, il y a des choses, hein. C'est quand tu as l'œil spirituel. Quand tu comprends le langage de Dieu dans ta vie. Tu sais anticiper les événements. Alors qu'il ne savait pas. Bien aimé. Alors que médicalement parlant. Elle était morte. Les médecins, vous savez, c'est pas comme ici. Hein? C'est,
Tout est là. Toutes les mains, tout est là. Embolie pulmonaire. Donc les choses étaient telles que il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Ordonne seulement, on le déclenche, on le débranche. Et le jour qu'elle est sortie de l'hôpital, les médecins ont dit ça, on n'a jamais vu. Ça, on n'a jamais vu. Mais pourquoi? Parce que dans la vie, il y a des choses qui crieront plus que ta prière. Il y a des choses qui crieront plus que ta prière. Il y a des choses qui vont crier. Qui crieront pour ta femme. Qui crieront pour tes enfants. Qui crieront pour les enfants de tes enfants. Dans la vie, c'est des choses. En tenant compte qu'après toi, même si toi tu n'es pas millionnaire, même si toi tu n'as pas d'argent, mais tiens compte que mes enfants, les enfants de mes enfants ne souffriront pas. Il y a des choses qui doivent s'arrêter par toi. Il y a des choses, ça doit s'arrêter par moi. Mes enfants, les enfants de mes enfants ne doivent pas souffrir comme moi j'ai souffert. Alors ce n'est pas simplement une simple déclaration. Non, non. Respecte le langage du monde spirituel. Il faut savoir déclencher certaines bénédictions. Tout avec Dieu. Par rapport à la promesse que Dieu t'a faite, il y a des choses qui résistent. Vous savez, par moment, quand les choses se compliquent, tu pries, tu jeûnes, tu as comme l'impression que ça se complique. Bâtis un hôtel, bâtis, jusqu'à ce que le ciel s'ouvrira. Ça s'ouvrira. Dieu, il est derrière sa parole. Il ne ment pas. C'est parce que toi, tu veux comprendre les choses comme Dieu. C'est ça le problème. Toi, tu veux voir. Mais Dieu sait que ça travaille. Ça travaille pour toi. Ça travaille, mon frère. Ça travaille, mon frère. Quelqu'un dit amen. La manifestation de la gloire de Dieu est un signe d'approbation de ton autel de sacrifice. Vous savez, je ne te demande pas l'argent. C'est parce que rassure-toi, je ne ferai pas un appel de fonds. Je ne ferai pas. Non. Mais je te dis simplement, comprends comment le monde spirituel fonctionne. Même si vous savez, des fois, vous savez, même si tu es de mauvaise humeur, le monde spirituel fonctionne. Le monde spirituel s'en fiche de ton humeur. Il s'en fiche de ton humeur. Aujourd'hui, tu as envie, tu donnes. Demain, tu n'as pas envie, tu ne donnes pas. Il s'en fiche. Le monde spirituel s'en fiche. T'en fiches de tes sentiments, de ton opinion, mon avis, ma considération, mon point de vue, ma façon de voir les choses. J'ai besoin de comprendre. Okay. Attends. Mais les choses avancent. Les choses avancent. Écoute bien. L'avantage dans le monde spirituel, c'est que même si tu ne vois pas aujourd'hui, mais ça travaille. C'est ça l'avantage. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, mais ça travaille. Même si tu meurs, mais ça parlera pour tes enfants. Je te dis la vérité. Ça parlera. Vous savez, il y a des gens. Il y a des gens. Vous savez, on a une conférence aujourd'hui. On a une conférence dernièrement. Le fils de Richard Robert, que vous connaissez, un grand homme américain, c'est son fils. Moi, Richard Robert, qui était à la conférence. Et il a parlé sous le thème. L'héritage que son père lui a laissé. Vous savez, il y a des gens. Son arrière-grand-père était pasteur. Son grand-père était pasteur. Son père était pasteur. Vous savez, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des choses que vous pouvez voir dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Mais vous ne savez pas où est-ce que ça a commencé.
Tu l'envies sur l'état. Una mutamania juu na muona. Mais tu ne sais pas. Lakini haujui. Ça a commencé il y a des siècles. Bilianzia kuna vizazi. Mais toi tu l'envies sur l'état. Una mutamania juu na muona pale. Tu l'envies sous l'état. On a mutamania pale una muona. Mais écoute bien. Shikia mzuri. Si tu veux, dans 10 ans, voir tes enfants émerger, et aller là où toi tu n'es pas allé, faire les études que toi tu n'as pas faites, vivre les choses que toi tu n'as pas vécues, bâtir un hôtel. Jenga mazabao. Bâtir un hôtel. Jenga mazabao. Mais écoute, j'ouvre une parenthèse. Shikia nafungula mkaguo. Un hôtel. Mazabao. N'a de valeur iko na bei que lorsqu'on est en communion avec Dieu. Paka wakati ku mapatano mushirika na Mungu. L'hôtel n'est pas une corruption. Mazabao ina katamilomo. C'est pas une corruption. Aina mambo ku katamilomo. Il faut qu'il agree. Tafadhali aichike pour que le feu descende. Jumo te shuke. Il faut qu'il agrée pour que sa gloire se manifeste. J'ai vécu dans le désordre. Même si tu amènes 1 million. C'est vrai. Les principes spirituels sont les mêmes. Mais il y a des choses que tu n'auras pas. Entre dans l'alliance. Respecte l'alliance. Marche en conformité avec l'alliance. Honore Dieu dans ta marche. Parce que le véritable sacrifice, le premier que Dieu agrée, c'est ta vie. C'est ta vie. Une vie qui lui est agréable. C'est pourquoi Romains 12, 1 nous dit, nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte agréable. Alors que dans Lévitique chapitre 9, c'était le premier culte. Le premier. Ils ont fait des sacrifices. Et le sacrificateur, le souverain, Aaron et Moïse sont entrés dans le temple. Mais aujourd'hui, nous avons lu dans Hébreux. On n'a pas besoin aujourd'hui des sacrifices de boucs. On n'a pas besoin des sacrifices d'agneaux. À travers Jésus, nous nous approchons de Dieu avec assurance. Mais écoute-moi bien. L'entrée, le maintien, c'est toujours en conformité avec sa parole. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Ton sacrifice n'aura de valeur que si ta vie parle mieux. Ton sacrifice n'aura de valeur que si ta vie pèse. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai agréé Abel et son offrande. Il n'a pas dit j'ai agréé l'offrande. J'ai agréé Abel. Abel. J'ai agréé son offrande. Donc la première des choses, c'est doit d'abord être agréable à Dieu. Ma vie doit être agréable à Dieu. Mon comportement, ma façon de vivre doit être agréable. Alors ton sacrifice que j'apporterai à la maison de l'Éternel sera un déclencheur de la manifestation de sa gloire. Alors rassure-toi que ta vie est agréable à Dieu. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Rassure-toi. Parce qu'en cette matière, c'est toi qui gagnes. Moi j'ai toujours dit dans la matière de la sanctification, c'est moi qui gagne. Je gagne devant la tentation. Pose-toi toujours la question, qui gagne dans cette affaire? C'est moi qui gagne. C'est moi le gagnant. Alors je préfère marcher dans la sanctification parce que je suis le gagnant. Je gagne. Même si tu ne le vois pas, tu gagnes. Tu gagnes. Tu gagnes. La personne qui gagne, c'est toi. C'est pas le pasteur. C'est pas l'église. C'est moi qui gagne. Donc, j'ai intérêt à conformer ma vie à la parole de Dieu. Tu as intérêt, ma soeur. Tu as intérêt. On a failli d'adad. À rendre ta vie conforme à la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen. C'est pourquoi ce soir, avant de prier, écoute. Shikia. Dieu dit à Gédéon, bâtis un hôtel pour ta maison. Juu ya nyumba yako. Et l'hôtel
n'était pas simplement pour Gédéon, mais ça avait des impacts sur tout un peuple. Dieu n'a pas demandé à un peuple, Dieu n'a pas demandé à tout le peuple de bâtir l'hôtel. Un individu, mais les répercussions, c'était sur tout un peuple. C'est pourquoi bien les meilleures choses que tu fais, ne le fais pas à la légère. Ne le fais pas à la légère. Les enfants de tes enfants vont en jouir. Ne le fais pas à la légère. Tu seras mort, enterré, mais il y a des choses qui vont continuer à parler. Tu seras mort. Il y a des gens qui vivent les conséquences des comportements de leur arrière-grand-père. Vrai ou faux? Il y a des gens qui vivent les conséquences. Quand tu regardes ta vie, tu te dis, hein, ça c'est la famille. Tu regardes seulement ta vie. Ça c'est la famille. Ça c'est la famille. Tu regardes ta vie. Vous avez tous le même langage. Non, le langage, c'est-à-dire, quand on vous regarde, on a le même langage. C'est la famille. On vous regarde, c'est la famille. Mais est-ce que tu peux arrêter ce langage-là? Tu peux arrêter ce langage-là? Est-ce que tu peux arrêter ce langage en décidant de poser un acte qui va renverser la vapeur, en posant un acte qui parlera au-delà de ta petite vie, de ma petite vie? Ne vois pas ton ventre. Ne vois pas ton ventre. C'est sûr qu'il y a des choses que peut-être tu n'auras pas. Mais tes enfants en auront. Les enfants de tes enfants en auront. Ça, c'est ça le principe spirituel. Alors, quand tu fais des choses, vois loin. Vois loin. On embarque. Vous savez, le principe, c'est pas je sème aujourd'hui pour que je devienne millionnaire aujourd'hui. Non. Non, ce n'est pas comme ça. Des fois, ça ne porte. Tu ne verras rien. Jusqu'à ta mort. Rien. Mais. Alors que tu ne sais pas que ton sacrifice a fermé des portes. Il est funga milango. C'est pourquoi ce soir, Dieu m'a dit, j'aimerais que tu prennes une décision avec Dieu. Avec Dieu. Par rapport à ce que Dieu, tu veux que Dieu fasse. Par rapport à ce à quoi tu t'attends. Alors que bien aimé, nous cherchions à bâtir l'autel. Vous savez, j'ai dit à mon épouse, vous savez, Le premier donateur là-bas où je prie, c'est le pasteur. Il donne beaucoup, cet homme-là. Et j'ai dit à mon épouse, hein, Dieu ne peut pas t'amener dans une église au hasard. C'est-à-dire, quand il met quelqu'un devant toi, c'est pour que tu vois. Tu fasses comme lui fait. Chaque église a sa grâce. Chaque église a sa grâce, a son alliance. Chaque église. Et j'avais compris la grâce de cette église-là à travers l'homme de Dieu. J'ai dit non, faisons. Il y a des choses qui vont parler. Et vous savez, l'autel a la capacité d'accélérer l'accomplissement d'une promesse. L'autel a la capacité d'accélérer. Alors que j'ai prié, j'ai jeûné, mais l'autel déclenche l'accélération des choses. Tu ne fais pas du chantage à Dieu. J'ai donné. Non, ce n'est pas du chantage. Dans les principes spirituels, quand tu donnes, tu attends. Tu continues à s'aimer. Quand tu sèmes, il faut arroser. On n'a pas choisi de manger. Tu ne sèmes pas, tu croises les bras, tu commences à te promener. Dieu, j'ai donné, hein. Bon, j'attends. Non. Il faut arroser. Il faut arroser. Arrose ta semence. Arrose ton sacrifice.
jusqu'à ce que ça germe. C'est pourquoi Dieu a dit si elle tarde. Attends. Attends. Mais cette attente, elle n'est pas passive. Ce n'est pas une attente passive. Non. C'est une attente en travaillant pour accélérer le déclenchement. Parce que imagine-toi, Dieu te fait une promesse, tu vis dans le péché, tu retardes. Tu retardes. Quand Dieu te fait une promesse et que je pêche aujourd'hui, je retarde la chose. Donc il faut que je me comporte pour mettre Dieu dans les conditions que ça s'accélère. Il faut que ça s'accélère. Je me conforme à la parole de Dieu. Je continue à arroser. Et Dieu te dira sème encore. Je sème encore. Parce que tu ne sais pas ce que pour Sarah. Qu'est-ce qui va pousser? Et puis elle a dit, sème le matin, sème à midi, sème le soir, parce que tu ne sais pas. Je me suis posé la question, pourquoi je ne sais pas? Parce que tu n'as pas toujours le contrôle sur la saison qui fera germer la semence. Tu n'as pas le contrôle sur une saison. Tu peux être dans une saison sèche. Dieu te dit sème. Alors que Dieu sait qu'une saison s'en vient, tu feras germer la semence. Alors Dieu dit, ne t'arrête pas. Tu vas vers la saison favorable. Continue de s'aimer. Parce que quand ça germera, tu ne te rendras pas compte c'est laquelle que j'ai semé. Ah, est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes en train de, nous voulons construire un temple. Là où nous sommes, un temple de 20 millions de dollars. Un temple de 20 millions. Le plus beau temple, 20 millions. 20 millions. L'État dit, vous allez trouver l'argent où? L'État dit, où les églises là, vous allez trouver l'argent. Et puis les immigrés, les noirs, vous allez trouver l'argent où? Vous allez trouver l'argent où? J'ai dit, comment on a trouvé 4 millions? Il faut 4 millions, tu les partages. Sans dette. Bilandeni. Sans dette. Bilandeni. Mais ce n'est pas venu des banques. Écoute-toi que ma banque. Des poches des gens. Mifuko ya bantu. Des poches des gens. Mifuko ya bantu. Mais ces gens-là, qui nous allons tout? Ce sont des mamans, nous des mama, jeunes, vijana, qui travaillent. Anatomika. Mais qui ont payé le prix. Qui ne balili pas payé. Qui ont payé le prix. Balili pas payé. Alors si vous voyez demain des millionnaires. Comment qu'est-ce qu'on a millionnaire? Ne dites pas oh non, Dieu est injuste. Bon, vous savez, Dieu prend toujours le soin de donner à tout le monde l'opportunité d'être béni. C'est pourquoi moi j'ai dit, je fais partie de ces millionnaires là-bas. Dieu je fais partie de ces millionnaires. Pas ici, là-bas. J'ai dit, on va s'aimer. On va s'aimer. S'il faut manger les poucaras avec les frères, nous allons faire. S'il faut se priver un repas, on va se priver un repas. Mais Dieu doit se manifester. Vous savez, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Quelqu'un qui prend soin de sa maison. Non, il n'est pas injuste. Mon frère, tu ne perds pas. Tu ne perds pas. Je t'assure que tu ne perds pas. Oui, ta poche va être vide. Ton compte, tu regardes, c'est tombé à zéro. Tu regardes zéro. Les factures rentrent. Le loyer, je dois payer. Je sais comment. Il se débrouillera. Mon Dieu va se débrouiller. Mais tu ne sais pas. Alors que tu te vides, Dieu ouvre une porte encore plus grande. Dieu déclenche. Vous savez, c'est parce que tu penses que Dieu dépend de tes relations. Mon cher Paulin, évalue un peu tes relations.
Et des fois, nous pensons que Dieu dépend de nos relations. Alors, quand tu vois que Dieu va te bénir, tu regardes autour de toi, tu regardes ton frère, il a la SNCC, l'autre est à Jekami, l'autre est dans un magasin, l'autre a une alimentation. Mais écoute, Dieu ne dépend pas de tes relations. Dieu ne dépend pas de tes relations. Dieu, il est Dieu. C'est parce qu'on ne sait pas lui faire confiance. Tu veux voir avant d'agir. Tu veux comprendre avant d'agir. Tu veux calculer avant d'agir. Alors tu veux mettre Dieu dans ces conditions. Dieu ne touche pas. Il t'attend. Il te regarde. Dit agis d'abord. Pose d'abord. Prends le risque. Pose. Tu verras. Alors, j'aimerais que quelqu'un parle à Dieu. Moi, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne te donne pas une requête de prière. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. La parole de Dieu elle-même a créé une requête en toi. Alors, élève ta voix et prie au nom de Jésus.